Bonjour, bienvenue à Chaîne La Recette. Moi, c'est Anissa. Je vous présente Isman. Aujourd'hui, la recette qu'on a choisi de vous présenter est un fondant au chocolat. Pour faire un fondant au chocolat, il vous faut 400 g de chocolat, 6 œufs, 140 g de sucre, 100 g de farine, 250 g de beurre et une pincée de sel. Pour la première étape, on va couper les 400 g de chocolat en petits morceaux. On va y mettre les 250 g de beurre. On met le tout au micro-ondes pendant 3 minutes à puissance maximale. Pour la deuxième étape, on va séparer les blancs des jaunes et on va blanchir les jaunes avec le sucre. Pour la troisième étape, on va monter les blancs en neige. Et pour cela, il nous faut des blancs, du sel et un fouet. Par contre, si vous avez un batteur électrique, c'est... Pour la quatrième étape, on va mélanger le jaune d'œuf avec le chocolat. Ensuite, on va y incorporer de la farine. Et en dernier, tout doucement, on va y mettre les blancs en neige. Dernière étape, mettre le chocolat dans le moule. Et on mettra le moule au four qu'on aura préalablement chauffé à 250 degrés. Voilà, nos gâteaux sont dans le four. Alors maintenant, on va attendre une petite dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, je vais vous citer tous les ingrédients qu'on a utilisés au long de la recette. Alors, il y avait 400 g de chocolat, 6 œufs, 140 g de sucre, 250 g de beurre, 100 g de farine et une pincée de sel. On se retrouve après pour la dégustation. À tout à l'heure. C'est très bon ? Ouais. Ça se déguste bien. Alors, Anissa.